Koviac. Pas vu beaucoup en deuxième période. Mais vous voulez mon avis, il vaut mieux quand même les manquer aujourd'hui et les mettre en Israël. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Loco. Si. Ah, c'est bien, hein. C'est pas mal du tout ce que font les Français là. Pérez, Le Guen, frappe lourde, Tommy Stelfer. Et but de Loco. Oui, bel entrée de Papiste. Voilà. Ah, quel bel entrée. Un petit peu de bon cœur pour ce garçon qui a connu une fin d'année 92 terrible. Évidemment, c'est pas grand chose, c'est même rien du tout ce but par rapport au malheur qui lui est arrivé. Et je pense qu'en ce moment de bonheur pour lui, il doit avoir une pensée. Patrice Loco. Il marque donc un but mérité pour l'équipe de France sur un tir d'un autre rentrant, ancien Nantais également, Paul Le Guen. Ouais. Ancien Brestois, mais ancien Nantais également. Donc, alors, c'est bien pour Patrice Loco qui... Pérez avec Lissarazou. Bonne déviation. Ah, c'est bien joué. Oui, Michel Mibala. Il en avait vendangé Michel T. Ah, on va raser ça du côté de Handaï et Saint-Jean-de-Luz. Un coup d'iroule aiguille, un peu de foie gras. Comment? Un peu d'iroule aiguille, oui. Ah oui, un c'est du vin, ça. Oui. Ben vous pouvez pas avec votre régime. Ah, moi je peux pas, mais non. Là-bas, ils peuvent au Pays Basque, le tout avec un petit peu de piment d'Espelette, et allons-y. Et en voiture, Simone. Balle piquée de Bichente Lissarazou. Allez, le 1-2, c'est un petit peu dommage qu'on le voit en fin de parcours, mais regardez comme ça va vite, et c'est au millimètre, et à l'origine de ce 1-2, Patrice Loco. Et Le Guen qui était au départ de l'action. C'est pas mal, Patrice Loco. Deux buts avec les...